occultiste, Bourdeau. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, monsieur. Ceci vous dit-il quelque chose? Je l'ai retrouvé renversé devant lui. Oui, l'image qui honore le flanc est l'insigne de la Rose-Croix. Rien d'étonnant à cela. Dumas passait pour alchimiste et maître, grand maître en son ordre. La Rose-Croix. Le soi-disant Saint-Germain est un être fort mystérieux. Que votre majesté se fasse rose-croix, et je me hâterai de soulever le dernier voile qui recouvre ce mystère. Le cas n'est-il pas déjà résolu? Et sans qu'en outre, on y fasse entrer la moindre part de mystère, ni la plus petite part d'hermétisme? Non, monsieur. L'origine du cas est justement à rechercher dans l'hermétisme. Et la rose-croix dans tout cela? Il s'agit d'un ordre secret, né au XVIIe siècle et féru d'alchimie. Ces adeptes ont pour but la promotion de l'humanité par le développement intellectuel et moral de ses membres, au nombre desquels il est notoire que je figure.